Ah, t'as froid toi? Non, mais attends, tu te fous de ma gueule, tu touches mes frites pour savoir si c'est froid. C'est bon, j'ai touché vite fait comme ça, j'ai pas. Non, mais vite fait, touche les tiennes quoi. Bah, j'ai touché. Et bah, tu touches tes frites et après tu touches les miennes, c'est ça? C'est pas à cause de moi que t'es énervé, je sais. Ah, c'est à cause de qui? Tu mets tes mains dans mes frites et c'est pas à cause de toi que je suis énervé. C'est ça? Vas-y, je suis énervé après quoi alors? À cause de la matinée de mars qu'on vient de passer. À cause de la matinée? Ouais. Ah ouais, et t'es qui toi pour savoir que c'est à cause de la matinée? Je suis qui? Je suis ton meilleur pote et je traîne avec toi tous les dimanches. D'accord, et bah moi mon meilleur pote, j'aimerais qu'il ferme sa gueule, qu'il touche pas mes frites quoi. Tu sais, c'est pas ma faute si tu vends rien. Moi je fais tout pour essayer de t'aider. Ah bah c'est sûr que c'est pas toi qui m'aide, ça c'est sûr. Quoi que tu vois pas faire quand tu changes les tableaux là, tu crois. Qu'est-ce que tu veux qu'on vende? Tu fais rien. Et moi je me coltine ça toute la journée là. T'es de mauvaise foi mon gars. Mais tu le sais, hein. Putain, mais tu vois que je fais ça moi? Tu dis que ça c'est de la mauvaise foi ça? Putain. Pourquoi tu fais pas des expos? Je peux pas faire d'expos et j'aime pas faire des expos avec tous les cons. Alors arrête de proposer des choses qui tu sais très bien qui m'énervent. Qu'est-ce que tu fais de ta vie toi? Rien. Rien, tu fous rien. T'es là et... un blaireau quoi. Rien. Tu veux pas en fumer? Moi je peins. Comme d'hab, tu m'as un peu dit qu'on est bien quoi. Miles to consume, living to fly, leaving smiles, Mr. Hughes, driven to drive, and taking the train, switching lanes quicker than taking your brain. Now check your blind spot, nice top. Without which Charlie is pissed, party dismissed. Thanks, heads that blessed, dressed with party and miss. Ain't greedy, but rhyming for 1,000 days in 1,000 ways. Reason alone to arouse a rage. How's the pay? Lovely for ugly and rugby. Thanks to sponsors and teleprompters, or I'd be 20 with jumpsuit. Street, stained sheets, unrecognizable fluid network. The occasion to rise to a stupid. J'ai un pote Jeff qui est peintre et qui a un stand Opus. Et ça pourrait très bien être une couverture facile. C'est-à-dire que les mecs, moi je les téléphone, je leur dis qu'ils viennent, on fixe un prix, le prix qu'ils vont lui dire, etc. Moi je gère tout le business avec eux. Je gère tout ce qui est la vente de tableaux, etc. Donc c'est très simple. Un pote Jeff Opus. Un pote Jeff Opus. Non, je dis Jeff. D'abord, c'est qui Jeff? Je connais pas Jeff. Ouais. Je te dis Jeff, c'est mon pote, c'est un peintre. Ça va bien, n'importe qui rentre dans notre business, ça veut dire. Il rentre pas dans le business, il en sait rien. Mais d'accord, je fais ça derrière son dos. Déjà que ça me fait chier, donc c'est un pote et tu fais ça derrière son dos. Tu fais des pubs derrière notre dos, c'est juste un. Je cherche une solution. D'accord, c'est tout ce que j'ai trouvé pour l'instant. Si t'as mieux, tu me le dis. Ah, ok, bon, bah, tu viendras, tu testeras, tu sais. Il est pas passé, Mike? Je t'ai dit non. Donc c'est pas sa planche qui est là. Quelle planche? T'en as beaucoup sur toi? J'en ai, ouais. Combien ça coûte ton truc? Tu as fait à ton proprio? Bah j'ai pas payé. Qu'est-ce que tu fais à un proprio pour qu'il se fasse chier? T'as besoin de quoi? T'as besoin de quoi? Depuis deux jours j'ai cette meuf dans la tête, d'accord? Mais c'est très simple, c'est je prends de la drogue, je la fous dans le tableau, le mec me donne la thune et il s'en va avec un tableau avec la drogue dedans. Ouais, c'est et Jeff il a quoi dans tout ça? Pas de ma gueule, man! On a perdu 200 grammes, toi et moi! On viendra avec le talent.